Je m'appelle Sébastien Aublin, je suis menuisier charpentier depuis une vingtaine d'années. J'ai démarré la menuiserie à l'âge de 14 ans par passion, parce que j'ai toujours voulu être menuisier charpentier. Ce qui me plaît dans le métier, c'est la transformation de la matière première en matière finie. Et surtout à l'heure d'aujourd'hui, le bois, on fait une multitude de choses avec. On répond à toute demande de travaux concernant le bois, les menuiseries, les fenêtres, portes, escaliers, charpente traditionnelle, colombage, maison en ceinture bois. On a développé le pan de bois en maison à colombage, qui est vraiment le centre de notre région sur les maisons à ossature bois. On travaille avec beaucoup d'architectes et particuliers. On a notre propre bureau d'études pour répondre aux clients sur leurs demandes spécifiques. Le fait que les clients puissent venir eux-mêmes voir le travail qui se réalise dans nos ateliers, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça leur permet de venir voir aussi l'atelier, qu'on n'est pas non plus une multinationale. Enfin, on est vraiment artisanal, donc ça permet de voir leur propre ouvrage se construire dans nos ateliers. On rentre dans l'intimité un peu des gens, voilà, leur donner de l'envie du bois, des belles choses, qui aujourd'hui je pense est essentiel, et de montrer que le bois est une matière noble. On essaie de ne pas dire non aux clients quand ils nous demandent quelque chose de spécial. On a fait un client qui avait un rêve d'enfant de vouloir une cabane dans les arbres. Du coup, on a pris l'arbre et on a fait l'escalier dans l'arbre. Donc ça a été, voilà. Et sentir l'odeur de bois dans l'atelier, les gens adorent ça. Donc le bois est quand même assez noble, une matière noble, donc pour permettre de sentir leur ouvrage en même temps. On est une équipe de 32 personnes très dynamiques. On a une grande ouverture d'esprit. C'est ce que moi j'aime dans l'entreprise pour pouvoir évoluer aujourd'hui. Donc à bientôt dans nos ateliers, avec le plaisir de vous recevoir chez nous. Voilà, à bientôt.